La Minute Rugby. Allez, je suis avec Pascal, donc l'un des présidents de la SLRAC. On sort de match, bon, victoire, toujours invaincu ici donc à Pénétreau. Ça a été un peu compliqué aujourd'hui face à une équipe accrocheuse. Ouais, on a vu une belle équipe de Rion. Ils ont montré un autre visage que quand on était là-bas. Là-bas, ça avait été compliqué aussi. Devant, ils avaient bien tenu. Après, une autre puissance, on avait pu passer. Et là, aujourd'hui, ils ont fait un gros match. Moi, je trouve, ils ont été bons. Ils ont été bons. Nous aussi, on a été bons. On a fait un beau match. Hein. On a fait un gros match. Et beaucoup défendu aujourd'hui. Ouais, beaucoup défendu, et puis bon, un peu inéquité sur l'arbitrage. On a été beaucoup sifflé nous en première mi-temps, enfin à mon goût, hein. Après peut-être que les fautes y étaient, mais je trouve que c'était un peu sévère sur certaines, il n'a pas été équitable de côté. Je disais avec Mathieu, c'est vrai que le peu de fois où vous êtes allé chez eux, vous avez scoré à chaque fois. Ouais, mais c'est bien pour la tête. Parce que quand tu fais des beaux mouvements et que tu n'arrives pas à gagner, que tu restes à la ligne, donc chaque fois qu'on a scoré. Donc on a maîtrisé le match quand même, hein. On a été dans la maîtrise, on ne s'est jamais affolé, même en défense on était bien en place. Donc il n'y avait pas de peur, mais bon, eux, ils ont fait un gros match. Alors il y a le derby, là, le week-end prochain, on se prépare, on a déjà la tête là-bas ou pas? Ouais, peut-être pas, mais si on les prend les uns après les autres, forcément le match de l'encontre, c'est le match, comme l'aller quand on a rencontré Menussus, c'est le match forcément concurrent, voilà, pas un concurrent pour la montée, mais c'est une belle équipe pour l'encontre, il faut pas non plus voilà, les mettre au fond du seau, hein. ils font une belle saison, moi je trouve, pour un promu c'est pas mal. Ils vont vouloir se rattraper du match aller où vous les avez battus ici. Ouais, mais bien sûr, c'est à nous de pas tomber dans le piège, parce que là ça va être un piège, donc c'est à nous d'être intelligents et de mettre notre jeu en place et de jouer avec les forces qu'on a et de ne pas les regarder jouer et leur tomber dans le piège parce qu'ils vont essayer de tricher ou de voilà, mais c'est leur jeu, hein. c'est moi je les comprends, hein. Bon, il y a un niveau dessus forcément, mais eux ils vont essayer de ils sont chez eux, hein. Puis il y a le public, ça va. Vous êtes toujours accroché à cette deuxième place et vous la quittez pas. Ben ouais, mais c'est vrai que cette année on a une équipe qui est plus homogène, qui travaille mieux. L'année dernière la poule était costaud, hein. L'année dernière était costaud, cette année la poule est pas plus faible, mais c'est pas pareil. Et puis nous on a quand même des joueurs un peu plus d'expérience, on voit le niveau qu'on a avec Souston, voilà, il n'y a rien à dire, voilà, on est carrément au-dessus du lot, mais après on voit que les équipes de fin de tableau c'est pas leur place, hein. ils font chier du monde, comme l'équipe comme Orthez, Sandaï, c'est la fin de saison, c'est plus les mêmes équipes, hein. On a aussi ce fameux dernier match à la maison face au premier, ça aussi c'est un gros rendez-vous ça, pour terminer les phases régulières. Ben ouais, pour nous c'est le match de la saison, c'est là où on va avoir le classement final, voilà, si on gagne, mais on sera peut-être premier ex-aequo ou premier, voilà, donc ça va se jouer sur le dernier match. Alors pour la place second premier, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est important de gagner chez nous, ça c'est certain. Ah, mais ça c'est important, c'est primordial. Puis il y aura une grande fête parce qu'on a les partenaires, donc forcément c'est une belle fête.